Quand l'enfant est blotti contre sa maman, c'est une fusion du corps et de l'âme. C'est un départ vers une éternité. La mère est le germe de l'humanité. Elle est la source de la compassion. Son amour triomphe de toutes les situations. Et il est souvent si vaste que l'enfant adulte s'en souviendra. Ce qui guide le petit enfant ne se trouve pas vraiment dans le monde visible. Il fait voler ses voitures à des hauteurs sublimes. Tout est possible pour lui. C'est un poète qui voit si grand. C'est un grand explorateur et c'est aussi un alchimiste. Son esprit s'envole souvent vers l'alpha et l'oméga. Sa vie est un rêve et il expérimente la liberté de tout faire voler jusqu'aux étoiles. Rien ne reste au niveau de la matière. Tout n'est que rêve, esprit et envol. En lui et autour de lui, des milliards de petits univers remplis d'espace le réjouissent. Du bout de ses doigts et du centre de son cœur, il envoie des pulsations du tout possible. Tous les mystères sont résolus avec sa capacité à maîtriser la distance et le temps. Il est un enfant de l'univers et est uni à tout ce qui existe. Ses pensées deviennent des actions et ses doigts suivent la dictée de son rêve. Le petit enfant voyage si loin, sans bouger d'un pas. Il vit dans un monde lumineux où tout est perçu directement, sans l'interface de la pensée, du mental. Et sa réalité n'a pas de limite précise. Il n'est arrêté par rien et ne s'arrête à rien.